Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés. À la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est unique sur YouTube. Il n'y en a pas d'autres. Plein d'autres sont intéressants, mais il n'y en a pas d'autres comme ce site-ci, comme cette chaîne, qui vous démontre, hors de tout doute, qu'on est envahi, encerclé par la manipulation, par la propagande. Et c'est ça qui est la plus grande menace pour le monde. C'est les fausses informations, c'est comme ça que les tyrans se gardent au pouvoir. Hein? On n'a qu'à penser à ce ministère de la propagande nazi. Hein? Répéter, répéter, répéter un mensonge deviendra une vérité. Et c'est comme ça que nos élus fonctionnent. C'est tous des criminels. C'est tous des tyrans. Pas tous des Hitler. En, en devenir, pas tous des gens qui commettraient l'infâme euh, génocide que Hitler a commis contre les juifs et plein d'autres, mais ils sont tous de ce même modèle et de ce même moule, vouloir être tyrans et mentir et dominer. Mais pas tous de façon aussi cruelle. Tous les tyrans sont ceux qui nous gouvernent en ce moment. Il y en a qui sont plus cruels, comme en Iran, les Mollahs, il y en a qui sont plus cruels, comme les gens du Hamas, et les nôtres sont moins cruels, mais ne sont pas pour le moins tyrans et menteur, et criminel, et corrompu. Chers amis, on est le 9 mai 2019, 10h23, tout ça dans la belle langue de Molière. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Maintenant, allez me visiter dans mes deux autres chaînes aussi, allez vous abonner, les liens sont dans la boîte de description. Venez me rejoindre sur Facebook aussi, vous allez voir que c'est rock'n'roll quand l'émission J'en ai marre débute. Le J'en ai marre chaud. Vous pouvez communiquer avec moi aussi via euh, Twitter ou via plutôt euh, Messenger en direct. Et venez me rejoindre sur Patreon aussi, une autre plateforme euh, où c'est plus euh, brasse camarade si vous voulez, parce que c'est plus permissif que sur YouTube. Sur YouTube, il faut garder des gants blancs. Et c'est bien correct aussi. C'est leur modèle d'affaires que je respecte énormément. Moi, je respecte tout même ceux qui n'ont pas la même opinion, mais j'aime ça débattre avec des faits, pas avec des insultes, puis des coups de marteau, avec les faits et le bilan. C'est pas difficile de mettre la gauche KO, son bilan. C'est les 40 dernières années, c'est elle qui a gouverné. Toutes les politiques qu'on voit, qui ont été appliquées depuis les révolutions de mai 68 en Europe et la révolution tranquille ici, c'est toutes des gauchistes, progressistes, académistes. Puis vous avez vu le bilan. On reviendra peut-être là-dessus, mais pour l'instant, on va les voir, on le sait. Les changements climatiques sont là, on ne peut pas les nier. Ça va changer le mode de nos vies, ça va changer nos vies. Les conséquences sont astronomiques. Des centaines de millions de gens sont touchés, vont être touchés et vont devoir être déplacés. C'est ça que vous devez retenir dans ce que je vous dis maintenant vont, être, vont devoir être déplacés, ça sera plus vivable où ils sont. Pour toutes les raisons que vous connaissez. Inondations, effondrement de terrain, tremblement de terre, éruption volcanique et j'en passe, froid, gel, déluge. On va être obligé de déplacer ces populations-là, sinon on va les voir crever devant nos yeux. Donc vous allez voir l'immigration de masse, c'est rien ce que vous avez vécu. Ces dernières années, avec ce qui s'en vient. Ça, c'était juste, comment dire, la préparation de ce qui s'en vient. Ça, c'était l'introduction, le premier chapitre. Les autres sont pas mal plus intenses. On s'attend aussi à des catastrophes historiques, hein? Que ce soit un tsunami historique, un tremblement de terre historique, une éruption volcanique historique ou un météorite ou un météore historique qui va nous tomber sans tête. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui est là, qui nous pend au bout du nez. Tout le monde le sent, les gouvernements se préparent, les agences qui s'occupent de ces catastrophes-là se préparent aussi. Les, les applications commencent à apparaître partout euh, sur vos téléphones, ceux qui en avaient. Des alertes à ceci, des alertes à cela, des alertes alertes ceci, alertes à cela. On prépare plus de plus en plus de gouvernements vous mettent un, un petit pamphlet de préparation à une catastrophe disponible. Il y a quelques années, on aurait pensé à du conspirationnisme ou à du délire de la part de nos élus, mais maintenant, on se dit waouh, ouais, une chance qu'ils font. Et on pense à un gros tremblement de terre, on pense à la Californie, on pense au Japon. Mais là, on vient de voir qu'il y a un endroit qui vraiment, lui, s'y attend pas, mais là, pas du tout, puis le monde entier s'y attend pas, mais ça pourrait être quelque chose de catastrophique qui pourrait survenir dans, plus, dans un laps de temps plus court qu'on le pense, c'est le Bangladesh, où un puissant séisme se forme dans le pays le plus densément peuplé au monde. Vous avez vu l'intensification des tremblements de terre depuis quelques semaines, quelques mois, c'est une roue sans fin, c'est sans arrêt, c'est non-stop, tremblement de terre après tremblement de terre après tremblement de terre après tremblement de terre. Ce qu'il faut noter ici, c'est ça que je veux que vous reteniez le plus, parce que c'est ça le plus important. Des tremblements de terre, on le sait, il y en a toujours, il y en a toujours eu à tous les jours. Mais 1, 1,5, 2, 2,5 sur l'échelle de Richter. Ça, tu en as des milliers par jour. C'est tout à fait normal. Ce qui est exceptionnel depuis quelque temps, c'est que la régularité et la quantité de ces tremblements de terre-là, d'une importance majeure et de gros niveau, se répètent et se répètent jour après jour. C'est-à-dire que dans les séismes quotidiens qui sont le pain quotidien de cette terre-là depuis toujours, ben là, il y a une catégorie qui, elle, est en intensification et qui n'arrête pas de cogner et cogner et de frapper. Et la quantité de tremblements de terre au quotidien qui sont dans les eaux de 3 et plus jusqu'à 5, souvent, à tous les jours, tu en as plusieurs de 5, dans plusieurs régions, plusieurs de 6 et de 7, c'est certain que ça t'annonce qu'il y a une grosse, grosse préparation d'un événement majeur dû à une pression hallucinante qui nous provient de plusieurs facteurs, dont l'affaiblissement de la magnétosphère, le renversement des pôles, les attaques. Cosmique, de rayons cosmiques qui est en augmentation de 19%, on en a parlé souvent, mais surtout l'affaiblissement de la magnétosphère. Un énorme tremblement de terre est en train de se former sous le Bangladesh, le pays le plus densément peuplé du monde. On n'a jamais parlé de cela. Les scientifiques disent qu'ils ont des nouvelles preuves de la tension croissante là-bas, où deux plaques tectoniques sous-tendent le plus grand delta du monde. Ils estiment qu'au moins 140 millions de personnes dans la région pourraient être touchées si la frontière de ces deux plaques se brisait. La destruction pourrait provenir non seulement des conséquences directes des tremblements de terre, mais également des modifications des cours des grands fleuves et du niveau des terres déjà très proches du niveau de la mer. Si c'est pas la fin du monde qu'on annonce pour ces gens-là, je me demande c'est quoi. Le Bangladesh et ses pays voisins, dont l'Inde, pourraient être frappés par un énorme tremblement de terre d'une magnitude de neuf sur l'échelle de Richter avec la, la qualité des constructions qu'on a là-bas. n'ose wow, même pas imaginer. La nouvelle menace, ou la menace nouvellement identifiée est une zone de subduction dans laquelle une section de la croûte terrestre ou plaque tectonique est lentement poussée sous une autre. Tous les grands séismes connus de la Terre se produisent le long de ces zones. Il s'agit notamment du séisme et du tsunami dans l'océan Indien, qui ont tué 230 000 personnes en 2004, et du séisme et du tsunami de Tohoku en 2011 au Japon, qui ont emporté plus de 20 000 personnes et causé la catastrophe nucléaire de Fukushima. Les résultats apparaissant dans le numéro de cette semaine de Nature Geoscience ou Nature Geoscience. Les tremblements de terre dans les zones de subduction se produisent généralement lorsque les plaques de croûtes océaniques épaisses plongent lentement au large sous les roches les plus légères des continents voisins ou sous d'autres parties du fond marin. Parfois, des sections se coincent les unes contre les autres au fil des années ou des siècles, puis glissent finalement, remuant la terre. Les scientifiques connaissent les limites des plaques au Bangladesh et aux alentours, mais beaucoup ont supposé que celles-ci ne glisseraient que horizontalement près de la surface. Causant parfois des tremblements de terre assez importants, mais non moins dommageables dans des zones moins densément peuplées. Toutefois, les auteurs de la nouvelle recherche indiquent que les mouvements à la surface au cours de la dernière décennie montrent que la subduction a lieu en dessous et qu'une partie de la jonction entre les plaques est verrouillée et chargée de contraintes. Ils ne prévoient pas un grand tremblement de terre imminent, mais ils disent que c'est un risque sous-estimé. Moi, j'aime ça quand on lui dit, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais c'est sous-estimé. Donc, c'est une, une découverte des plus inquiétantes pour ces gens-là. Et espérons que non, mais il semblerait qu'on se prépare à vraiment quelque chose d'immense et de gros, et que ça frappera, oh, ça va frapper, où on ne s'attendait pas à ça, le Bangladesh. Préparez-vous à quelque chose de gros, je vous l'ai dit, les semaines, les mois qui s'en viennent vont être déterminants pour le, pour le futur, pour notre avenir commun. Et je vous dis qu'on va changer de mode de vie et ça va se faire plus vite qu'on le pense. Quand tout ça va s'installer, quand un changement majeur va arriver, un changement majeur n'arrivera pas d'un effondrement économique, il n'y aura jamais un effondrement économique qui va changer nos vies. Les gouvernements... Globalistes, mondialistes, nos élites s'assurent de remettre sur pied tout de suite une économie quand elle est attaquée et de remettre en, sur pied les euh, institutions financières. C'est pas long qu'on nous refile la facture. Un changement de gouvernement, ça change rien non plus. Une révolution, ça change rien. Ce qui va vraiment changer nos vies, c'est quelque chose de majeur. C'est un gros cataclysme. Puis il est probablement plus proche qu'on ne pense. Quand ce gros cataclysme -là va arriver, il n'y a plus rien qui va être capable de remettre quoi que ce soit sur pied. On va être obligé de se débrouiller tout seul, puis on sera revenu et retourné à la case départ. Il y a juste ça qui va ramener à la case départ, rien d'autre. Le reste, c'est le statu quo. Je vous reviens.